Avant de vous rappeler un peu, certains d'entre vous connaissent déjà mes travaux, hein. Je vais un peu vous parler de moi pour vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé à travailler sur l'art préhistorique. On me connaît, on me connaît par rapport à l'archéologie, mais bon, moi je suis avant tout un dessinateur, hein, à la base. Depuis ma plus tendre enfance, en fait, je dessine. Alors, je dessine beaucoup moins maintenant, en fait, depuis une vingtaine d'années, parce que j'ai un peu bifurqué suite à mes études, etc. J'ai beaucoup moins de temps, mais je viens vraiment de l'image, quoi. Et il se trouve que ma passion, c'est de créer des images, au départ fixes, et puis progressivement, j'ai été passionné par l'image animée, que ce soit le cinéma, le dessin animé, voire même le jeu vidéo, hein, qui fait partie intégrante de ma culture. Toutes les expressions des images graphiques à notre époque m'intéressent. Et il se trouve que progressivement, je suis devenu réalisateur. Je me suis spécialisé dans la réalisation de documentaires. J'ai fait quelques courts-métrages à mes débuts. Et voilà, je m'intéresse également à la bande dessinée, etc., etc. Et il se trouve qu'en parallèle, j'ai eu l'opportunité de faire des études en archéologie il y a maintenant une trentaine d'années. Mais ce n'était pas du tout quelque chose de volontaire, quoi. Et ça s'est fait un peu en parallèle justement d'un début d'études qui devait me conduire, enfin, j'espérais, à faire des films, en particulier des films de fiction. Au départ, j'étais beaucoup plus destiné à la bande dessinée. C'était vraiment ma première passion, c'est quand même la bande dessinée. Donc c'est tout ça pour expliquer une partie de mon parcours justement en tant qu'archéologue. Et il se trouve qu'il y a une trentaine d'années, j'avais un peu de temps à la fac, j'étais en histoire de l'art, donc c'est des cursus qui sont passionnants, mais peuvent aussi donner du temps libre. Et j'ai en parallèle de tout ça, j'ai étudié, je me suis intéressé à l'archéologie. Il y avait un cursus d'archéologie, j'ai fait de l'audiovisuel, et au fur et à mesure des cours d'archéologie, j'en suis arrivé à découvrir l'art des cavernes, donc cet art paléolithique qui correspond au premier art de l'humanité, hein, en tant qu'art figuratif. On parle bien d'art figuratif parce qu'il y a un art un peu plus ancien, mais qui pour l'instant n'est qu'un art schématique. Mais bon, voilà, les origines de l'art figuratif, c'est environ 37 000, 40 000 ans avant notre ère, hein. Voilà. Donc ces premières expressions des artistes préhistoriques m'ont passionné d'emblée. Je m'intéressais, enfin, à cette époque-là, je me posais la question aussi de travailler sur une thèse de l'art contemporain. Voilà. C'était encore une autre bifurcation, mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment l'image qui m'intéresse à la base. Et l'art contemporain me questionnait, je ne comprenais pas grand-chose, mais je me disais, tiens, c'est intéressant. J'apprécie pas à 90% ce qui est produit dans l'art contemporain, qui est pour moi, je vais être dur, foutage de gueule intégral, quoi. Mais dans les 10% qui restaient, il y avait des choses intéressantes, quoi. Et notamment Capital, qui correspondait bien à une continuité par rapport à ce qu'on retrouvait dans l'histoire de l'art, voire même dans la préhistoire de l'art. D'ailleurs, pas mal d'artistes d'art contemporain sont passionnés par ces artistes préhistoriques. Donc, ce qui se passait dans l'art contemporain, tout ce côté conceptuel qui questionnait l'art, tout ça m'intéressait. Et finalement, j'ai découvert à la même période les grottes de la Dordogne, des Pyrénées, etc. Et je me suis dit, mais mince, c'est peut-être encore plus intéressant ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est-à-dire au tout début. Et ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, mince, je comprenais mieux un peu la réaction de Picasso, de Braque ou des gens comme ça qui ont découvert l'art préhistorique, qui en ont été transformés en se disant, bon, finalement, tout est dit de point de vue classique, en fait, l'art est contenu déjà d'emblée dans ces grottes, sur ces objets préhistoriques. Enfin, l'homme finalement maîtrise très très vite les techniques, la façon de faire, etc. On a affaire à des professionnels de l'image, comme le dit mon collègue Romain Pigeot, qui est également préhistorien. Il a raison d'utiliser ce terme-là. Donc on a des professionnels de l'image dès les origines de l'art, quoi. C'est une évidence. Et donc je me suis intéressé à ça. Et finalement, progressivement, au cours de ces années d'études qui m'ont conduit à faire un doctorat, je me suis rendu compte que ces images, elles n'étaient pas seulement des symboles figés sur les parois. Vous voyez, il y a eu plusieurs théories sur l'art préhistorique. On a parlé d'art symbolique, de magie de la chasse, de chamanisme, etc.
ça correspond à des hypothèses qui peuvent être plausibles en partie ou dans leur totalité, etc. Pour l'instant, on est incapable de trancher. Mais ce sont avant tout des images qui ont une fonction, comme les images actuelles, les images issues de voilà, avec toute forme d'image d'art graphique, etc. Et donc, je me suis intéressé à l'image en tant que telle et je me suis rendu compte progressivement, à travers une étude focalisée sur le mouvement, qu'il y avait beaucoup plus d'images en mouvement qu'on ne le pensait sur les parois. Alors c'était souvent des mouvements discrets, il y avait des mouvements spectaculaires comme on peut le voir dans Lascaux, dans les grandes grottes, vous voyez ces grands taureaux, c'est des chevaux en train de galoper, tout ça c'est des mouvements très très marquants, mais il y avait aussi des mouvements beaucoup plus discrets, donc des choses beaucoup plus discrètes qui échappait un peu à l'analyse à l'époque, ça ne me préoccupait pas trop, mais qui devait avoir de l'importance pour ces artistes qui étaient également des chasseurs et des observateurs de la nature. Et donc, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que le mouvement avait une importance capitale dans cet art et que même certains artistes étaient allés très très loin dans la représentation du mouvement et avaient même pressenti le principe de décomposition du mouvement. Alors ça, j'ai expérimenté certaines images, j'ai essayé de voir à quoi correspondaient ces décompositions, et je vais vous montrer dans un instant un petit film que certains d'entre vous ont déjà vu, mais qui est intéressant de revoir par rapport à ce propos. Donc c'est certaines de ces images avec des mouvements décomposés restituent véritablement des choses vues ou perçues dans la nature, et restitue et donne une impression de mouvement. Donc il y a une volonté, une envie de mouvement dès les débuts de notre préhistoire de l'art. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de réfléchir à quoi pouvaient correspondre donc ces différents mouvements et pourquoi l'homme était allé aussi loin dans sa quête finalement de la restitution de la vie sur les parois ou sur les objets. Donc je vais vous montrer ce petit film.
comme vous l'avez vu sur ce petit film, hein, en fait, j'ai réalisé ce film par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. La première version, c'est quasiment celle-là, hein, j'ai juste rajouté, actualisé à un moment donné, mais je l'ai réalisé en 1990. Donc ça commence à faire pas mal d'années. Mais en 1990, j'avais réalisé ce film dans le cadre d'un DEA. À l'époque, c'était ce qu'on appelait un DEA, un diplôme donc, qui correspondait enfin, en gros à la préparation de la thèse. Et à l'issue donc, de ce DEA, j'avais réalisé ce petit film pour expliquer ce que j'avais ressenti en étudiant ces images, ce que je vous ai dit tout à l'heure, et donc cet effet de décomposition du mouvement que j'avais constaté sur certaines gravures, peintures, comme vous l'avez vu sur ces images, qui finalement sont visibles dans les sites, la plupart des sites importants, etc. Donc on a plusieurs dizaines de figures qui ont pu être répertoriées. Et alors ce qui est intéressant, c'est que voilà, donc très tôt j'ai eu cette intuition, mais en fait j'ai eu un peu peur à ce moment-là. Je dis bon, est-ce que je vais pas trop loin dans l'interprétation? Est-ce que c'est pas un peu excessif? Est-ce que ça, le fait que je m'intéressais déjà à l'époque à l'audiovisuel, au cinéma, est-ce qu'on va pas me reprocher d'être influencé par cette double carrière qui se mettait en place, etc. Et j'ai eu besoin d'aller plus loin, c'est pour ça que j'ai fait un doctorat et que finalement j'ai passé 20 ans quelque part à essayer de vérifier cette hypothèse et finalement à l'alimenter d'autres éléments qui maintenant font que je suis quand même assez convaincu de cette intention qui est affichée à l'image, comme quoi enfin, bon, les artistes préhistoriques ont vraiment pressenti ce système de décomposition du mouvement. Alors certainement qu'il s'agissait les... C'était certainement les plus doués d'entre eux, hein. Enfin, comme Léonard de Vinci a eu cette intuition-là, on peut le voir dans certains de ses codex, ou d'autres artistes de l'Égypte ancienne, enfin, etc. Enfin, on a des cas isolés, hein. c'est pas un phénomène général, mais bon, c'est des choses qu'on ressent à bien des moments de l'histoire de l'art, de la préhistoire de l'art. Alors donc j'ai un peu gardé ça en veille pendant une vingtaine d'années, donc ce n'est que... qu'il y a 2 ans que j'ai réalisé un documentaire qui finalement faisait la synthèse de tout ça et venait reprenait une partie de ces images, mais qui, comme je vous l'ai dit, ont été réalisées en 1990, donc il y a quasiment maintenant une trentaine d'années. Mais j'avais ce besoin-là, parce que bon, en plus c'est de la science, voilà, il faut démontrer, il faut argumenter, il faut émettre des hypothèses, et puis après il faut évidemment essayer de les vérifier. Et donc, ce que je voulais rajouter également, c'est que vous l'avez vu, il y a deux types de procédés. Il y a le procédé par superposition d'images successives, c'est-à-dire les images sont les unes sur les autres, donc on a des animaux à plusieurs pattes, ou avec plusieurs têtes, ou plusieurs queues, etc. Les principaux éléments corporels de l'animal sont décomposés en plusieurs images. Et puis après, il y a le système de la frise qui correspond à la décomposition par juxtaposition d'images successives. C'est trois lions qui se suivent et qui, vous l'avez vu, correspondent à trois positions successives de l'animal perçu dans la nature. Donc c'est assez troublant. Alors c'est un peu plus difficile à déterminer, mais bon, si vous faites la visite de Lascaux ou Lascaux 2, par exemple, les guides vont beaucoup plus loin et donc ils ont un peu récupéré cette enfin récupéré, donc, mais bon, certains guides vous diront que les chevaux chinois, entre guillemets, de la grotte de Lascaux sont peut-être des effets de décomposition. Et c'est vrai que dans la grotte de Lascaux, il y a d'autres cas également. On peut voir des animaux côte à côte qui peuvent refléter des mouvements complémentaires. Mais c'est vrai que c'est un peu plus dur à démontrer dans les grottes, dans le sens où il faut être sûr qu'on a une succession volontaire d'images cadrées, etc. Et dans une grotte ornée, c'est très difficile aussi de raisonner en termes de cadrage. On n'est pas face à des tableaux comme dans un musée. Hein. On a des supports et des surfaces qui peuvent être très irrégulières, qui fait que c'est pas toujours facile de délimiter une composition. Mais bon, c'est des choses qui sont... voilà, qui sont visibles, qui fonctionnent et qui correspondent donc à cette envie de mouvement. Voilà.
Je vais juste dire un petit mot sur le sur ce que je vais faire tout de suite pour vous donner une petite idée. On sait très peu de choses sur le rythme, évidemment, si la musique était déjà définie à cette époque-là comme de la musique. On sait très peu de choses sur la notion de rythme et de quelle manière était fait le rythme il y a 3000 ans. Alors, vous pensez que cette époque-là, c'était encore très difficile. Aujourd'hui, on a l'habitude de décomposer, c'est-à-dire les percussionnistes et les musiciens en général jouent dans des temps précis, 4 temps, 5 temps, 7 temps, 8 temps, etc. Alors en Occident aujourd'hui, si vous ouvrez votre radio, vous allez avoir que du 4 temps ou du 3 temps. Voilà. Alors ça peut être du 6 ou du 8, mais enfin c'est du 4 et 3. Donc ce qui est très probable, c'est qu'il y a des temps très reculés, les rythmes étaient une succession de séquences comme ça qui pouvaient être à 3 temps et demi, 5, 7, 8. Ça existe dans beaucoup de pays encore. Dans beaucoup de tribus en Afrique ou ailleurs en Amérique du Sud. Donc on n'a pas un cadre très défini de 4 temps, etc. Voilà, donc je vais essayer de faire une petite improvisation avec le DAF, dans un esprit comme ça de succession de séquences rythmiques qui ne se ressemblent pas. Thierry, parce que je m'étais rendu compte qu'on voyait tes mains sous forme d'ombre, et sous cet angle-là, on voyait les mains s'agiter derrière la membrane de ton instrument. Et c'est vrai que bon, je trouve ça très beau, et en même temps, ça, c'est pour revenir un peu au sujet, c'est vrai qu'il y a toujours cette idée de théâtre d'ombre qu'on évoque par rapport aux arts anciens, etc., enfin, à l'émergence de l'image, aux origines de l'image. Alors, c'est vrai qu'il y a certainement quelque chose de cet ordre-là, mais au-delà, c'est vrai que dans les grottes, les artistes ont vraiment joué avec les éclairages, mais ils ont joué avec les éclairages, pas obligatoirement pour concevoir leurs images en détourant, vous voyez, des ombres projetées au plafond, comme ça a été dit
dans un ouvrage il y a quelques années qui est très réducteur par rapport à ce qu'étaient les artistes préhistoriques. Ces artistes-là, comme j'ai dit tout à l'heure, sont des professionnels de l'image. Ils n'ont pas besoin de projeter des ombres sur les parois pour après aller les détourer et en faire des silhouettes. Ça, ils savent très bien dessiner. Par contre, ils peuvent aussi jouer avec les éclairages sur les reliefs. C'est-à-dire qu'en fonction de l'incidence de l'éclairage sur la paroi, sur des formes naturelles, etc., ils peuvent compléter par des tracés, des gravures, etc., et suggérer à ce moment-là des animaux. Par exemple, sur certaines figures, il suffit de l'adjonction d'un œil pour suggérer une silhouette en fonction du relief sur lequel est posé cet œil. Et en fonction de l'éclairage qui circule sur la paroi, à ce moment-là, on peut dégager la forme de l'animal. Les artistes préhistoriques ont vraiment joué à partir des reliefs naturels pour délimiter les corps, pour faire surgir les parois les animaux des parois. Donc ça, c'est des choses qui sont évidentes. Ils ont joué avec les éclairages. Donc du coup, ils ont effectivement peut-être joué avec des effets d'ombre, etc., pour générer un spectacle quel qu'il soit. Peut-être qu'ils l'ont fait même également à l'extérieur des grottes, hein, sur les falaises ou sur les peaux de leur tente, etc. Ça, on n'en sait rien. Il n'y a aucun témoignage, évidemment, qui nous est parvenu de cette période-là. Mais voilà, encore une fois, ce sont des gens qui ont été très, très créatifs, donc qui ont certainement utilisé toutes ces techniques qui étaient à disposition. Hein, donc ils maîtrisaient les éclairages, hein, ils avaient des lampes à graisse, ils fabriquaient des torches avec du bois, etc. Donc ils maîtrisaient le feu, évidemment. Donc ils ont pu faire des mises en scène, vous voyez, ils ont pu faire des mises en scène pour des cérémonies à l'extérieur, dans le cadre de leur groupe, ça c'est tout à fait plausible, ou même pour jouer, hein, pour danser, faire de la musique. On a découvert des instruments très très anciens, des flûtes à noces qui datent de la même période que la grotte Chauvet, donc ça, il n'y a aucun problème. Après, au niveau des percussions, c'est plus compliqué parce qu'il y a des problèmes de conservation, mais on peut tout à fait supposer qu'ils maîtrisaient ce genre de choses, quoi. Ils utilisaient le cuir, etc., pour se vêtir, et pouvaient s'en servir également pour recevoir des instruments. Mais voilà, donc tous ces matériaux ne sont pas parvenus jusqu'à notre époque, et on peut supposer, voilà, ce sont des gens comme nous, hein, ce sont des homo sapiens, des gens férus de création graphique, et certainement de création sonore, hein, sauf que là, évidemment, c'est difficile, hormis, vous voyez, à travers des vestiges comme ces petites flûtes à noces, c'est difficile d'aller beaucoup plus loin. Mais évidemment qu'ils pratiquaient la musique, ils devaient pratiquer des rythmes qui peut-être se rapprochent. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de formes originelles, etc. Mais ça devait être aussi sophistiqué que leurs images, hein, dans le sens où... Vous voyez, quand on parle de rythme, de séquence, etc., c'est vrai qu'on le retrouve à la fois dans la musique et dans l'image. Je pensais à ce que tu disais. Donc on retrouve ça à travers... C'est assez marrant parce que, vous voyez, les effets de décomposition du mouvement, ça rejoint quelque part des universaux, des fondamentaux. C'est qu'on a... ce sont les effets de décomposition. Enfin, en moyenne, c'est deux images, trois images ou cinq, quoi. Enfin, en gros, la moyenne, quoi. Vous voyez, donc c'est soit deux images, deux oppositions de phase, j'appelle ça les oppositions de phase, c'est-à-dire les pattes en forte extension ou les pattes recroquevillées sous le corps, qui expriment à ce moment-là un mouvement de course. Ça correspond un peu à l'effet basique d'un dessin animé actuel, hein, l'effet de flip-flap. Entre les deux positions, donc position de phase, donc deux. Et ensuite, bon, c'est souvent, quand c'est le cas, c'est trois positions ou cinq positions. Il y a des images avec cinq têtes, voilà. Donc c'est assez marrant, voilà. Ça va rarement au-delà, hein, évidemment, parce que après, c'est évidemment compliqué. Alors il y a ça. Et puis, c'est des réflexions, hein, plus qu'une présentation, mais c'est pour rebondir sur ce que tu disais. Mais cet effet de rythme. On devait évidemment le retrouver par ailleurs, et notamment, moi je suis pratiquement convaincu, au niveau de la narration, c'est-à-dire le rythme des séquences d'images, parce que par rapport à ce que je vous ai montré là, à travers ces effets de décomposition du mouvement, puis d'images en mouvement que j'ai pu classer, déterminer, etc., c'est évident que ça servait à quelque chose, quoi. Enfin, il y avait un plaisir de représenter, d'observer, mais le fait de sélectionner certains types de mouvements,
ça correspondait à un objectif qui était probablement de restituer des comportements particuliers des animaux qui étaient observés, principalement les grands mammifères. Et il se trouve que, à travers mes recherches, ce que j'essaie de faire, c'est de classer un peu tous ces mouvements et ces comportements en essayant d'établir des répertoires, un peu comme le font les éthologues, les spécialistes du comportement animal, l'étude du comportement animal. Et c'est vrai que ça a pas mal fonctionné. C'est-à-dire que j'ai pu classer ces différents comportements par espèce, vous voyez, par rapport aux grandes espèces de l'art préhistorique. Et j'ai pu mettre en évidence qu'il y avait des tendances, des types de comportements, et notamment des types de comportements quasiment absents, enfin fondamentalement absents, par exemple les comportements liés directement à la reproduction. Ça, c'est assez marrant, on peut se demander s'il y a un tabou ou si c'est exprimé d'une autre manière, mais il y a une ou deux possibilités, un ou deux assemblages qui pourraient correspondre à un accouplement entre les animaux. Alors qu'à côté de ça, vous voyez, il y a des animaux en train de chasser, des lions en train de poursuivre des bisons. Il y a pas mal de belles compositions qui montrent des bisons ou ce type d'animaux en train de se regrouper puis de s'affronter au moment du rut. Vous voyez, des choses comme ça. Donc un peu lié à la reproduction, mais toujours avant ou après. Par contre, le moment lié à la reproduction, il est complètement absent. Alors qu'on sent bien que par ailleurs, dans tous les comportements que j'ai pu répertorier, finalement, les artistes sont attachés à montrer les grands moments des cycles de vie des animaux, sauf celui-là, enfin, cet instant-là, ce qui devait être tabou ou carrément sacré, quoi, exprimé d'une autre manière, probablement. On a affaire à des chasseurs-cueilleurs qui se préoccupaient évidemment de leur subsistance, et donc de la subsistance du groupe, donc de la reproduction, etc., de l'alimentation, etc. Également, il y a très peu de comportements liés à l'alimentation direct aussi, c'est-à-dire des animaux en train de manger. Si ce n'est qu'on peut supposer aussi que certains animaux avaient la tête baissée, comme les rennes, etc., peuvent également être en train de manger. Mais bon, ça, c'est des choses très difficiles à mettre en évidence, mais bon, voilà. Ce qui est assez étonnant, c'est ça. Et alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que en étudiant ces différents comportements, ces différents mouvements, je me suis rendu compte que donc on avait affaire à des actions potentielles. J'ai appelé ça action, dans le sens où ça se rapprochait, selon moi, de système narratif. Et je me suis rendu compte que ces actions, mettant en scène les animaux, pouvaient se regrouper entre elles. C'est-à-dire, par exemple, un bison en train de charger pouvait se diriger vers un bison sur la défensive, prêt à l'affronter. Dans d'autres parties des grottes, comme pour la grotte Chauvet, bon, la scène la plus célèbre montre des lions en train de suivre des bisons, certainement, qui sont en train de les chasser. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire, encore une fois, à des images individuelles qui sont des purs symboles éparpillés sur les parois, comme on l'a un peu pensé pendant un moment. C'est beaucoup plus compliqué. Et ce que j'ai essayé de mettre à l'évidence, c'est que c'est qu'avant tout, ces images-là, elles avaient un potentiel narratif avant d'être interprétées comme des symboles. C'est-à-dire, pour moi, c'est un niveau d'interprétation qui est supérieur et qui peut être de différents ordres, quoi. Donc moi, j'ai vraiment travaillé sur l'image, sur les mécanismes de l'image et leurs fonctions narratives. Et il se trouve que ça a marché. Enfin, ce que j'ai essayé de mettre en évidence a fonctionné. Et donc, j'ai pu, à ce moment-là, montrer qu'il y avait des systèmes d'action, d'associations d'action qui conduisaient à des séquences, des associations de séquences qui, à ce moment-là, étaient des bribes de récits, hein, finalement. Donc, on avait un système de représentation des images qui était vraiment orienté vers la narration graphique, ce qui est le nom un peu savant de la bande dessinée, quoi. Voilà. Donc, pendant longtemps, j'ai employé le terme de narration graphique, notamment dans le cadre de mes recherches, etc., de mon doctorat et tout ça. Et puis bon, voilà, depuis quelques années, j'ai décidé d'employer aussi le terme de bande dessinée, voilà, qui est beaucoup plus populaire, mais qui quelque part est le plus adapté à ça, dans le sens où on a cette notion de bande qu'on retrouvera, qu'on finalement on retrouve pendant toute notre humanité, toute notre histoire de l'art. Hein. Vous allez assez juste regarder les scènes du purgatoire, hein, ou les scènes de l'enfer, on a la scène du purgatoire où on a vraiment une longue bande narrative qui est comparable à la fois à une bande dessinée type Tapisserie de Bayeux ou Livre des morts égyptien, également
ça on peut faire une analogie avec le cinéma, une sorte de soit de panoramique, soit de travelling latéral. Vous voyez, on peut faire c'est les analogies que j'essaye de faire depuis quelques années, qui ont conduit donc à la rédaction de mon ouvrage Préhistoire du cinéma. Et alors, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, ce qui est très intéressant, c'est que ça soit la narration graphique ou la narration, fonctionne en acte aussi. Donc il y a le système du rythme, elle fonctionne en scène, en séquence, en acte, etc. Que ce soit au cinéma ou dans la littérature. Et bon, on sait très bien qu'à l'heure actuelle, par exemple, les films, principalement les films américains et les films maintenant européens qui se calquent directement au film américain, on fonctionne sur la narration en trois actes ou en cinq actes. Ça, c'est des choses évidentes. Donc on retrouve toujours ces rythmes-là, ces universaux, que ce soit à l'échelle d'un, de quelques secondes de musique, ou à l'échelle de deux heures de film, et également dans les durées des films. Tout ça, on est toujours dans cette espèce de mathématique du rythme. Je sais pas quoi, j'ai jamais allé au-delà, mais je sais. Mais voilà, on a toujours ces espèces de constantes qui sont là et qu'on retrouve également dans la peinture, dans la création. C'est ce qui est assez mystérieux, quoi. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vous ai parlé de narration, etc. Mais pendant longtemps, je suis arrivé à cette conclusion, en fait, au terme de cette vingtaine d'années de recherche dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, et à ce moment-là, je me suis dit, mais finalement, la narration, la décomposition du mouvement, finalement, là, on a en germe quelque chose d'encore plus proche de nous, qui est le cinéma. On a la façon de raconter les histoires, on a la façon balbutiante d'animer des images, on associe les deux, on a de l'image animée potentiellement avec des systèmes de micro-récits, etc. Et il se trouve que donc dans les années 1990, quand j'ai fait ce petit film en parallèle, j'avais observé un petit objet qui était une petite plaquette, enfin, qui est toujours une petite plaquette en grès qui provient de la grotte d'Historie dans les Pyrénées Atlantiques, et qui montre au recto et au verso, ça fait 15 cm à peu près, c'est comme ça, qui montre au recto et au verso une image de reine, donc l'animal, de chaque côté dans une position différente. Et il se trouve que j'avais observé ces deux images et j'avais constaté que d'un côté l'animal était debout, de l'autre côté il était complètement fléchi au sol, fait comme s'il avait été abattu, ou je ne sais rien. Et les deux images avaient les mêmes proportions, avaient le même gabarit, etc. Ils étaient parfaitement cadrés par rapport à l'objet qui avait une forme triangulaire. Et alors là, je m'étais dit, bon, c'est quand même marrant, parce que si on superpose les deux images rapidement, il y a un effet de flip-flap, dont je vous ai parlé, bon, qui est la base de l'animation, du cinéma d'animation, de la technique d'animation. Deux oppositions de phase, deux mouvements complètement opposés qui se fondent entre eux. Et je m'étais dit, bon, est-ce que les artistes à l'époque ne se seraient pas amusés en faisant pivoter rapidement cet objet avec la main ou avec un cordon? Est-ce qu'ils ne se seraient pas rendu compte que ces deux images pouvaient... Enfin, rendu compte, est-ce qu'ils n'avaient pas provoqué un système de dynamique qui faisait que l'animal reprenait vie par le biais d'une rotation rapide? Donc ça, c'était j'avais posé l'hypothèse. Je l'avais publié dans un article, pareil, 90 ou 91 à peu près. Et puis après, j'ai fait ma thèse. Et en gros, jusqu'aux années 2007, j'ai complètement oublié cette image. C'est-à-dire, je l'ai complètement sortie de mon esprit. Je l'ai jamais... Vous savez, quand on fait, on publie, puis après on republie, on écrit un ouvrage, puis on fait référence à ses recherches, etc. Et je l'ai oublié. Dans le cadre de ma thèse, par exemple, je crois que je ne le cite pas. Je ne cite pas cet objet, je l'exclus, en me disant, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est du délire, hein, etc. Mais par contre, je l'avais publié en 4 ans. C'était, voilà, j'avais, je ne sais pas, 22 ou 23 ans. Je m'étais permis de le faire.
Et en 2007, donc, il y a un collègue qui fait de l'expérimentation d'objets, enfin, qui reproduit des objets préhistoriques et qui vit en Ariège, qui connaît mes travaux, etc., qui m'a appelé en me disant « je crois que j'ai trouvé ce que tu cherchais, fait, je crois qu'un objet comparable qui correspond à l'intuition que tu avais eue à cette époque-là ». Et donc, il m'a envoyé les documents, j'ai dit « ouais, écoute, ça a l'air de fonctionner, on va faire une petite expérimentation ». Donc on a fait, à ce moment-là, on est allé filmer en 2007, on a fait une petite mise en scène dans une grotte en Ariège, et on est allé filmer avec Stéphane Kowalczyk, donc, qui est l'absent d'aujourd'hui, qui nous a lâchés hein, d'ailleurs. Il est pas dans une grotte, mais il filme de la taille de silex. Donc je vais vous montrer, ou vous remontrer ce petit film qui restitue cette expérimentation avec un son qui risque d'être un peu faiblard. De gravure très efficace. On a tracé le disque en premier. Voilà. Plate parce que dans cette zone de l'os là, il n'y a pas du tout de partie spongieuse à l'intérieur. Hein. On a une languette d'os qui est pleine en fait. Hein. Voilà. La languette est complètement pleine. Qui est pleine, elle est pleine. Ouais. Voilà, maintenant on va aménager le disque. Alors, va falloir tracer le dessin maintenant de la fameuse rondelle. L'idée c'est quand même d'essayer de reproduire la pièce. Ça figure a priori un isard, ici avec les pattes allongées, ouais. Et de l'autre côté les pattes pliées. La photo est agrandie hein, puisque l'original fait 31 mm, donc 3 cm,1. Un magdalénien aurait probablement tracé directement en silex. Le but là, pour nous, étant de faire le dessin le plus proche possible, on va voilà, reproduire ce dessin sur la rondelle pour que vraiment nos traits gravés correspondent aux traits qui sont gravés sur l'original. Et après, on va suivre les traits, voilà. Alors, ici on a une cassure. Alors sur le relevé elle n'y est pas, hein, sur la photo on la voit, mais en tout cas ça va nous permettre de la retrouver ici. Donc on tourne la rondelle comme ça et on va se retrouver avec la cassure comme ça ici. Donc il faut que tu fasses correspondre les deux cassures. Donc il faut en gros retracer ici. Voilà. Parce que quelque part, pour toi ça devient un repère pour cadrer les deux images. Voilà. Et là, en faisant ça, c'est là où on se rend compte qu'elles sont vraiment calées pour se superposer visuellement au moment de la mise en action. Voilà, parce qu'en fait, il y en a une qui est comme ça. Ouais. Et l'autre qui est à l'envers. Qui est vraiment une mise en symétrie des deux images pour qu'elles soient animées une fois qu'on bouge l'objet. Voilà. Petite lamelle. On va utiliser cette partie-là. Par contre, je veux plus partir sur, voilà, je veux partir sur un trait en haut là, faire le coup. Je
pointe, positionnement de la corne. C'est fini. Il faut bien que les traits soient bien profonds pour qu'après ils prennent bien la peinture en fait. Hein. Voilà, là on est bon, le trait de pâte est bon. Maintenant on va percer. Alors on aurait pu le faire avant, hein. Je le fais à ce moment-là. Et maintenant, on peint toute la rondelle. Bien mettre du pigment pour que vraiment ça rentre bien dans les traits gravés. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la faire tourner. On pourrait faire avec une lanière de cuir, hein, mais on verrait la lanière après sur l'image. Donc je vais prendre un petit bout de tendon. Ça sera le tendon de quoi ça? Tendon de bison. Ça y est, je le vois. Pour que ça fonctionne, il faut vraiment que le tendon à gauche, tu vois, soit pile sous le museau. Il ne coupe pas le museau, tu vois. C'est juste les pattes qui deviennent en mouvement. Après, il y a une autre chose qui est possible aussi, c'est la décaler et faire un animal qui monte sur cette face. Et de l'autre côté, bim, il tombe. Ah, il y a plusieurs mouvements possibles en fait. Quand on voit ça, on se dit que évidemment c'est le même animal. C'est une joue optique. On a baptisé ça le tomatrope au 19e. On appelait ça des joues optiques parce que c'était fait pour amuser. Mais à cette époque-là, c'était peut-être pas fait que pour amuser, justement. Mmh. C'est peut-être pas un jouet. C'est peut-être quelque chose qui peut avoir aussi du sens dans des cérémonies. Qui peut être amusable pour un enfant, qui peut être amusable pour les chasseurs qui viennent de chasser, et éventuellement finir en tant que trépane de loque. Ces joueurs petits vont réévoluer lorsqu'on va appeler plus tard la caméra. Donc on est dans le pré-cinéma, dès la préhistoire. Vous avez vu, ça peut apparaître un peu comme un raccourci quand je dis on a l'ancêtre de la caméra. Bon, mais c'est vrai que le tomatrope, donc cet objet qui est comparable à cette rondelle que vous avez vu, donc qui correspond, c'est un objet qui a été inventé dans les années 1830. Cet objet, le tomatrope, correspond en gros. Comment dire, au départ de cette période dite du pré-cinéma qui va conduire donc à l'invention de la caméra des frères Lumière au système de production d'Edison. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi on peut se permettre quand même d'aller aussi loin, c'est que, comme vous l'avez vu, cette rondelle, elle permet de parvenir à ce qu'on appelle la synthèse du mouvement. Et la synthèse du mouvement, c'est en fait ce qui définit le plus simplement possible le cinéma. Voilà. Le cinématographe. Le cinéma, pour nous, on l'associe à l'écran de projection, à la caméra, etc. Mais le cinéma, c'est avant tout la synthèse du mouvement. Et c'est la synthèse du mouvement qui peut être graphique, donc ça correspond à ce qu'on pourrait appeler le cinéma graphique, ou photographique, donc le cinéma photographique. Mais voilà, c'est avant tout cette possibilité, cette faculté de synthétiser le mouvement. Et donc, en cela, cette petite rondelle à os pourrait être la preuve,
enfin, il faut toujours être conditionnel avec, pour ces périodes reculées, que les artistes préhistoriques sont parvenus à cette synthèse. Alors ça peut te prêter à sourire, mais ça correspond réellement à cette définition-là, qui d'ailleurs m'a été rappelée par Laurent Manoni, qui est conservateur à la Cinémathèque française, et qu'on voit apparaître dans le documentaire que nous avons réalisé il y a 2 ans donc, pour Arte, qui constate que cet objet, a priori, parvient à cette synthèse. Donc ça questionne, vous voyez, d'ailleurs il apparaît questionné, d'autres spécialistes également. Voilà, ça c'est une hypothèse, mais qui est, comme vous l'avez vu, assez parlante. Alors, une dernière chose, tout ça aussi pour faire un petit un retour sur notre époque, sur les origines du cinéma. Enfin, moi, c'est ce que j'aime bien dire également, c'est que les origines du cinéma tel que nous le connaissons en ce moment, bon, il y a un film qui sort sur les Frères Lumière, etc. On l'associe un peu trop souvent donc, aux Frères Lumière, alors que le cinéma, tout ce qu'on connaît du cinéma à l'heure actuelle, il est probablement lié à des gens comme Émile Reynaud et Émile Cole qui ont inventé en fait le dessin animé. Et le dessin animé préexiste au cinématographe. Et en fait, le dessin animé correspond complètement à ce que ces artistes préhistoriques ont pressenti. Et en fait, le dessin animé parvient à cette fameuse synthèse du mouvement. Donc ça va prendre du temps. Il y a c'est une question, c'est des débats entre les spécialistes du pré-cinéma. Mais bon, voilà, plus on va avancer dans le temps, plus on va avoir dans nos livres d'histoire une définition un peu plus peut-être élargie dans le temps de cette notion de cinéma, peut-être liée à la préhistoire, mais surtout avant tout à des gens comme Émile Reynaud et Émile Cole qui sont avant tout les inventeurs du cinéma, bien avant Lumière, qui ont le mérite d'inventer une caméra ou des systèmes de projection, mais qui ne correspond finalement qu'à une évolution technologique qui va permettre de remplacer les dessins conçus par Émile Reynaud et Émile Cole par des photographies. Voilà, c'est lié à des inventions qui fait que les concepts sont améliorés par la technologie. Mais bon, les vrais, selon moi et d'autres, hein, c'est les vrais inventeurs du cinéma sont plutôt ces gens-là, quoi. Thank you.
tout à l'heure, quand vous avez parlé du fait qu'il n'y avait pas de dessin par rapport à la reproduction des animaux, voilà, en fait, la réflexion que ça m'a amené, c'est est-ce que c'est parce que c'était un moment qu'il fallait préserver pour ne pas être en danger par rapport aux animaux? Parce que j'imagine qu'approcher un couple de lions en période de reproduction, ce n'est pas forcément évident, quoi. Donc c'était la première réflexion. Et la deuxième, c'est est-ce que les choses qui ont été dessinées, c'est des choses sur une envie d'expression ou sur un danger qu'on avait envie de marquer, en fait? Alors, quand je dis que c'est un raccourci, c'est-à-dire la reproduction, elle est suggérée. Il y a des moments de pré-accouplement, c'est-à-dire on voit les animaux, par exemple, lion, on a dans la grotte Chauvet, dans la grande salle du faune, dans laquelle il y a énormément de figures de lions en action, et notamment des figures de lions en train de chasser, on a un moment de vie où on peut voir une femelle en train de se frotter contre le mâle. Et ça correspond exactement à un comportement réaliste. Ça a d'ailleurs été identifié par Greg Packer, qui est un grand spécialiste du lion d'Afrique, hein, qui a fait le parallèle avec le lion des cavernes. Donc on a juste le moment avant. Et ça, on le retrouve chez le bison, chez le renne, etc., où on a par exemple des mâles qui flairent les femelles. On a plein de situations de ce style. Par contre, le moment correspondant donc à l'acte de reproduction, alors il y a une ou deux scènes, entre guillemets, qui peuvent correspondre à ça. Il y en a une qui est visible à Fosco avec un étalon en train de chevaucher une jument. Et il y a également, il y a la possibilité dans une grotte espagnole également d'une scène d'accouplement. Après, il y a des hypothèses sur d'autres assemblages, mais ça reste très, très difficile. Donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est, voilà, quoi, c'est, vous voyez, on sent bien que les artistes ont nié cet instant-là, hein, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour, et notamment les rassemblements des bisons au moment du rut, c'est-à-dire au moment où la sélection entre les mâles s'opère, voilà, les dominants, l'émergence des dominants, etc. Ça, c'est par contre, ils l'ont représenté. Hein. C'est pour ça qu'il y a pas mal de bisons agressifs en train de s'affronter, etc. Ça correspond à des... Ça, je l'ai classé dans mes recherches, à des comportements agressifs, mais qui sont liés à la reproduction. Ce sont pas que des... Voilà, de toute façon, l'agression dans la nature, elle est toujours liée à quelque chose de fondamental. C'est pas comme l'homme, quoi. Hein. Enfin, bon, là, on ne va pas partir là-dessus, mais bon, on ne peut pas parler de plaisir. Il y a toujours l'hypothèse chez certains chimpanzés ou quoi, enfin bon, d'infanticide, etc. Mais l'agression, elle est liée à des comportements de survie, de reproduction, etc. Donc ça, et ensuite par rapport à la deuxième partie donc, de votre question qui était... Sur le fait que, est-ce que... On peut différencier un mode d'expression pour un mode d'expression, ah oui, artistique, ou quelque chose de plus, simplement relater quelque chose de vital, quoi. Alors voilà, c'est un peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il y a des... moi j'ai constaté, je ne suis pas le seul, mais c'est vrai que quand on est dans la salle du fond, beaucoup de gens trouvent ça agressif, dans la salle du fond, d'avoir te chauffé, ça, on a un sentiment d'agressivité. Et c'est vrai que, alors ça, c'est assez intéressant parce que dans les études que j'avais faites, donc liées au comportement animal, je m'étais rendu compte justement qu'il y avait vraiment, notamment dans cette grotte-là, pas mal de comportements liés directement ou indirectement à l'agressivité. Donc il y a une impression d'agression. Mais on ne peut pas non plus dire que tout est lié à ça. Mais je pense qu'il y a des choses liées à l'agressivité des animaux entre eux, c'est-à-dire les affrontements, voilà, liés aux rutes, etc. Et puis après, il y a probablement des comportements de fuite. Alors ça, je l'ai écrit dans mon doctorat et tout ça, dans la publication de mon doctorat. Je l'ai moins écrit dans la préhistoire du cinéma. C'est des choses qu'il faudrait que je présente un peu plus au grand public. Mais c'est vrai qu'il y a, par exemple, à Lascaux, on a l'impression de voir des animaux en train de flotter, dans les airs, presque par joie, quoi. Moi, je me demande si c'est plutôt des animaux en train de fuir, pour certains d'entre eux. Vous voyez, donc, alors, au moment de la reproduction, c'est toujours pareil. Vous voyez les chevaux de Przewalski, ils sont très agressifs, ils se rentrent vraiment dedans, il y a des dominants, etc. Là, je revoyais des images hier, justement, à propos de ça. Et c'est vrai qu'il y a le parallèle peut être fait par rapport à certaines orientations dans Lascaux, notamment ces petits chevaux chinois en train de se suivre. Et à certains endroits, il y en a un qui tombe en arrière, il y en a peut-être un en train de le charger. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a quand même
effectivement quelque chose lié à l'agressivité directement ou indirectement. Donc il y a cette impression-là. Et c'est vrai que dans certains sites, il y a Chauvet dans la salle du fond, c'est vrai qu'il y a certains. Enfin, c'est quelque chose qui revient souvent, quoi, cette impression d'agressivité. L'agressivité, c'est ce qui rend le dessin intéressant, tu sais. Ben, il y a de la vie, c'est sûr, voilà, que et voilà. Le comportement animal, c'est spectaculaire. Si c'est visible, c'est intéressant, oui. C'est spectaculaire, voilà, surtout chez un lion. Dessiner un lion en train de chasser, c'est plus intéressant qu'un lion en train de dormir. Quoi. Ça. Vous avez surtout un mâle qui fait que ça toute la journée. Non, c'est vrai, les lions mâles, c'est leur spécialité. C'est pas leur spécialité, c'est leur fonction. Dehors de procréer, évidemment. Mais non, mais c'est vrai, c'est le lion mâle, il n'a aucun intérêt à être représenté. D'ailleurs, les lions des cavernes n'ont pas de crinière. Alors, on se posait la question de savoir si c'était que des femelles, etc. Il se trouve que dans le lot, il y a un lion sans crinière qui a un scrotum. Donc, voilà, le sexe est matérialisé. Donc on est sûr, par ces images de la fondation, on n'est jamais sûr à 100% en archéologie, notamment pour cette période-là, mais on est quasiment sûr que les lions des cavernes n'avaient pas de crinière. Mais ce que je veux dire, c'est que ça serait des artistes à l'heure actuelle, effectivement, ils représenteraient plutôt des lions femelles, quoi, parce que c'est les femelles qui chassent, c'est les femelles finalement qui sont les plus intéressantes à représenter. Donc c'est certainement ce qui s'est passé aussi pour... voilà, donc il y a une position agressive, donc c'est beaucoup plus dynamique, spectaculaire. C'est pareil les bisons qui s'affrontent entre eux pendant le... Alors il y a quelques scènes, vous voyez, il y a très peu de représentations humaines, mais il y a quelques scènes peut-être liées à la charge d'un bison. Par exemple, à Lascaux, il y a, dans la scène du puits, il y a une espèce d'être... Alors, probablement magique, hein. c'est pas un être humain véritable, mais c'est en gros un anthropomorphe, il est peut-être confronté à un bison. Et il y a une autre scène aussi au roc de Serre qui est en bas-relief, où on peut voir a priori un bison en train de charger là également un anthropomorphe, une espèce d'humain. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pareil, là, le bison, il est d'autant plus spectaculaire, quoi. Il est beaucoup plus spectaculaire en train de charger, en train d'affronter un autre individu, etc., qu'en train de brouter l'herbe. C'est pour ça que, bon, a priori, il y a moins de séquences liées à l'alimentation. Mais, comme je vous le disais, il y a pas mal d'images qui peuvent apparaître figées, qui sont peut-être justement des représentations d'animaux en train de s'alimenter d'une manière très basique, avec la tête baissée. Voilà. Il y a des chevaux, la tête baissée, on ne sait pas ce qu'ils font, mais ils sont en train de boire ou de manger. Ça, c'est difficile. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une très grande variété de mouvements. Et ça, pendant longtemps, ce que j'ai essayé vraiment de faire, le cœur de mon boulot, ça a été ça. Ça a été de classer les mouvements. Et notamment pour les chevaux, je me suis rendu compte, j'ai pu déterminer, rien que pour la position de la tête et de l'encolure, qu'il y avait 100 positions différentes. Alors sur l'ensemble des grottes. Mais ça, le fait qu'il y ait cette variété, même si c'est pas à l'intérieur de même site ou de même période, ça montre bien qu'on n'a pas à faire quelque chose de figé. Pendant longtemps, voilà, c'est les symboles mâles, symboles femelles, etc. Enfin, c'était très pratique, on associait les symboles entre eux. Et voilà. Mais du coup, on a un peu oublié d'analyser les images. Et alors, ça, sans provocation, mais ça peut s'expliquer aussi par rapport au fait. C'est vrai que, alors, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à la préhistoire de l'art, mais qui n'étaient pas obligatoirement, enfin, voilà, qui étaient un peu déformés par l'archéologie pure. Et c'est vrai que, voilà, moi j'ai des débats avec des copains, des débats très aimables, mais pendant longtemps, avec certains copains, on s'affrontait sur le fait qu'on étudiait d'un côté, pour eux c'était avant tout et seulement des vestiges archéologiques, et pour moi je dis non, c'était des vestiges archéologiques, ce sont également des œuvres d'art. Donc il ne faut pas l'oublier, et donc il faut les utiliser, les œuvres d'art entre guillemets, hein, c'est pas le côté institutionnel, mais bon, ce sont des expressions artistiques. Donc qui reflète des techniques, qui reflète des styles, de la volonté, du plaisir, etc. Et ça, pendant longtemps, on s'en est privé. Donc du coup, l'étude du mouvement, vous voyez les nuances dans les images, c'était un peu secondaire. Et on allait vite sur le... On cherchait la fonction, tac. Et donc à chaque époque, on était influencé par le contexte, le structuralisme, etc., la magie de la chasse, etc. Et donc du coup, on a un peu oublié d'analyser les images. Et là, depuis...
pas pour moi, parce que moi je m'inscris dans une mouvance, vous voyez, mais depuis maintenant quelques décennies, on va plus dans le détail, sauf qu'on a un peu peur d'interpréter aussi. Donc c'est un peu le paradoxe, c'est qu'à un moment donné on a trop interprété, et là, voilà, donc il y a des gens comme Jean-Claude qui ont proposé la théorie du chamanisme, qui défend, etc. On est pour, on est contre, mais ça a été un tollé parce qu'il a osé interpréter. Voilà. Parce qu'il a osé globaliser le truc. Il a bien fait. Bon, après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais voilà, par contre, pour certains, voilà, il faut avant tout analyser, mais surtout pas franchir le pas d'interprétation. Non, il faut faire les deux. Il faut étudier en détail. Puis après, il faut se risquer à interpréter. C'est quand même l'objectif. Du scientifique, et il est là aussi pour proposer, se risquer également à l'interprétation, et quitte à se planter et à faire bouger un peu la science. Et est-ce que vous avez essayé les mêmes expérimentations avec ce qui est non figuratif, les traits, les poils? Alors, très peu. C'est vrai que c'est très peu, comme au niveau des rares images d'humain, ça je l'ai écarté d'amener, parce que l'humain, il est plutôt schématisé, vous voyez, on ne sait pas si ce sont des humains, des esprits, etc. Il n'y a pas véritablement de représentation naturaliste, alors que l'art paléolithique, au niveau des animaux, est vraiment naturaliste. Donc on peut faire des parallèles avec le comportement, etc. Et au niveau des signes, ou des ce qu'on appelle les signes, tous ces motifs abstraits, etc., c'est très compliqué, ça mériterait, mais bon, il y a au niveau de la dynamique ou des rythmes, justement, donc il y a des choses qui ont été faites, qui ont été publiées, mais ça reste très, pour l'instant, c'est pas vraiment concluant. Alors, certains se risquent au terme d'écriture, enfin, etc. Ces motifs ont une fonction avec les animaux, c'est clair qu'ils venaient en complément des représentations d'animaux, mais dans certains sites, il y a beaucoup plus de signes que dans d'autres, etc. C'est des choses qui évidemment nous échappent. Et moi, par rapport à l'approche que j'avais, qui était une approche naturaliste, c'est-à-dire je regarde les images, j'essaye de voir dans le vivant ce qui est comparable, et pour voir quel type de mouvement fonctionne, c'est clair que ça ne pouvait pas. Vous voyez. Donc d'emblée, j'ai écarté ces choses-là. Mais ça, tout est à faire dans ce secteur-là. Il n'y a pas de problème. Dans votre ressenti à vous, c'est un mode d'expression qui est de l'ordre de l'urgence de transmission ou du confort artistique? Comment? C'est-à-dire, est-ce que c'est une expression qui est... On a besoin, par exemple, de transmettre aux générations futures que tel animal est dangereux ou qu'il faut observer le cheval qui boit? Ou est-ce que c'est déjà du confort? C'est-à-dire, je suis dans ma grotte et puis je prends le temps de peindre un truc, quoi. Oui, je fais un croquis... Le fait que ça soit fait dans des lieux pareils montre bien qu'il y a une signification particulière. Ce sont parfois des grottes profondes, parfois moins profondes, etc. Mais la situation même des figures, bon, c'est clair qu'il y a quelque chose de l'ordre du culte, du religieux, peut-être de l'initiation, j'en sais rien. Donc c'est pas seulement des images, vous voyez. Mais bon, après, en faire que des images, vous voyez, sans âme... purement employé dans cette façon-là, c'est dire la même chose à ce moment-là sur 10 000 ans, toute notre histoire de l'art, l'art des cathédrales, l'art des temples égyptiens et tout ça. Évidemment qu'ils ont une fonction, ils sont dans un contexte, ça sert à des choses, mais bon, il y a du plaisir, il y a de l'esthétique, etc. Donc là, c'est pareil. Toujours pareil, bon, Grotte Chauvet ou Lascaux, dont les plus connus. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose de, voilà, est-ce que c'est, on parle de sanctuaire, on parle de chapelle Sixtine, etc. On fait des parallèles, des analogies avec ce type de lieu, mais en même temps, ces images, elles nous parlent, et elles nous parlent au niveau universel. Donc elles nous parlent parce qu'elles sont très anciennes, les origines, etc. Et au niveau esthétique aussi, vous voyez, et on a du plaisir à les regarder. Et on a du plaisir à les regarder, quand vous êtes face à ces images-là, ça nous touche, ouais, ça nous émeut. Et c'était aussi la volonté, ce sont des artistes. Donc, comme les artistes des cathédrales, c'est juste les polychromies du retable qu'a étudié une de nos spectatrices ici présentes. Moi, ce qui m'a vraiment plu, qui m'a ému quand j'ai vu le retable de Narbonne, par exemple, c'est que vous avez, évidemment, vous avez les thèmes, la vie du Christ, etc., l'enfer, le purgatoire, ça vous les avez, c'est très dogmatique, c'est carré, donc la fonction elle est là,
Et bien malgré ça, les artistes encore arrivent à tirer leur épingle du jeu et à se faire plaisir. Le diable, il est magnifique. Voilà la gueule d'enfer, oui, c'est très esthétique, etc. Et puis vous avez le chariot avec, avec des notables et tout ça. Il y a même de la limite de la insolence, de la caricature. Vous voyez, bon, puis après, il y a des. Au revers d'une colonne, je ne me rappelle plus, des chapiteaux, il y a même des choses grivoises. Des trucs, vous voyez, dans les cas, on le sait maintenant. On est loin de l'image. Figé, et ça c'est toutes les formes, à toutes les périodes de notre humanité, on le retrouve ça, donc l'art a une fonction, jusqu'au 20e, c'est pour ça que c'est passionnant, alors moi, j'étais très critique tout à l'heure, mais c'est passionnant parce qu'on sent bien que, on le sent, c'est les portes ouvertes, mais à partir du moment où on se retrouve à un carrefour où l'invention du cinéma, de la photo, le figuratif devient, voilà, et on arrive à une espèce de cul-de-sac, etc. Donc on part sur le concept, et là, il y a quelque chose qui se passe avec l'art contemporain, voilà, qui peut échapper, etc., mais qui est intéressant, mais qui devient très conceptuel aussi. Mais jusque-là, l'art, il a une fonction, je veux dire, il y a du plaisir, mais là, il est toujours cadré par quelque chose dans les sociétés humaines, mais il y a aussi du plaisir, il y a aussi des croquis, peut-être dans le cadre, vous voyez, certains objets qui ont été retrouvés sont peut-être des jouets d'enfants. Voilà, donc il y a toujours ça. Mais il y a toujours un cadre fonctionnel, entre guillemets, qui sert à narrer. Et ces narrations sont en fonction des époques, suivant le dôme, suivant la pression du pouvoir, etc. Elles ne servent qu'à une fonction, sur la propagande, etc., etc. Donc voilà, dans les cavernes, certainement que le cadre est peut-être un peu plus figé qu'à l'extérieur ou sur les objets, ça j'en sais rien, je dis ça, c'est peut-être... Tout à l'heure, j'ai eu un flash, en fait, le premier film que vous avez fait voir, les dessins, ça m'a fait penser à du Reiser en BD, quoi. Ah oui, c'est on dirait, bah, des gens très talentueux au XXe siècle ont essayé de retrouver ce trait-là, et puis en fait, on retrouve... Mais vous savez, c'est que quand vous montrez au public qui n'est pas initié une œuvre de Picasso à la fin de sa vie, enfin, pour les plus connus, ils vont dire « Ah, c'est un dessin d'enfant, je fais la même chose chez moi, quoi. Enfin, je le fais, là, j'avais 3 ans, quoi. » Non, mais... Sauf, et là, c'est pareil pour l'art paléolithique, mais c'est tellement pareil que pendant, même les spécialistes, pendant longtemps, et ça, la grotte Chauvet, ça a un peu remis en question tout ça, on a pensé à une évolution linéaire de la préhistoire. C'est-à-dire, on partait, il y avait des signes, des tracés très schématiques, donc maladroits, donc très archaïques, puis progressivement, on accédait au réalisme, vous voyez, au réalisme photographique. Donc ça, c'est une vision très réductrice. Mais bon, pendant longtemps, ça a été la vision, les classements des styles. Alors comment ça, la grotte Chauvet, c'est moins 37 000, vous voyez que c'était... Chauvet, c'est pas complètement réaliste, au contraire, il y a un style très prononcé. Lascaux, c'est pareil, il y a un style très très fort. C'est pas vraiment réaliste, quoi. Vous voyez, c'est naturaliste, mais c'est pas réaliste. C'est pas la photo des animaux. Il y a l'individu, il colle, il arrive à charger ça, et à vraiment... C'est un style reconnaissable. Les taureaux de Lascaux, c'est mondialement connu, parce que vous en mettez un, vous le reconnaissez tout de suite, vous voyez. Donc... C'est de l'art, quoi. Donc, ce qui s'est passé, alors ça a été mis en évidence par des chercheurs, les mêmes qui, comme le roi Gouran, qui ont établi ces théories d'évolution linéaire, ils ont aussi mis en évidence des processus d'abréviation ou de schématisation des formes. Ce qui veut dire que, voilà, schématisation, abréviation, ça veut dire que c'est après le réalisme, etc. On parle des formes réalistes et puis on cherche à aller vers le trait, ou vers la ligne claire, ou vers les trucs, bon, et ça correspond aux recherches de Picasso ou d'autres, quoi, hein. Donc, et ça, dans l'art paléolithique, c'est pareil. Il y a des choses plus récentes qui sont plus abrégées, plus proches de nous, plus abrégées, plus schématiques que des formes anciennes. Donc voilà, donc il y a vraiment... c'est pas obligatoirement une régression, c'est ce que je veux dire. Pendant longtemps, on a pensé que c'était ancien parce que c'était schématique, parce que donc c'est archaïque, donc il y avait toujours inconsciemment la notion de sauvage qui surgissait, quoi. Bon, ben merci d'avoir supporté.